RTL. Dans un instant, magazine. Asante sana milioni ya wakaji wote wa mji mkuu wa Lubumbashi ambao mnatuangalia kwenye kona zote za Lubumbashi. Mnatuangalia Masangoshi, mnatuangalia Luoshi, mnatuangalia Ruashi, mnatuangalia Beler, mnatuangalia Kenya, mnatuangalia Golf, mnatuangalia Tabakongo, mnatuangalia Machipisha, mnatuangalia Kasumbalesa, mnatuangalia Kipushi ya Maboke. Asante kwa sababu mko waaminifu kunako radio televizio Umoja. Na hivi mnavyotuangalia, tumewaga kwamba sasefet, maana yake ya sherekewa. Na ikimaanisha ya sherekewa, Mungu ni mkuu sana. Mungu ni mkuu sana ambaye amekulinda, amenilinda, ametulinda. Tumeanza mwaka wa 2020, na leo tunakuwa kwa mwaka karibuni itakwenda kufyagiliwa. Mwaka wa 2020 itakwenda kuagwa na itaanzishwa mwaka 2021. Tunakuwa na shukrani kubwa mbele za Mwenyezi Mungu kwa sababu ametulinda, amelinda timu kuu ya radio televizio Umoja, yani wafanyakazi ambao tumeanza mwaka pamoja na tumemaliza mwaka karibuni hapa pamoja. Hii ni neema kubwa kutoka kwa Mungu. Na wewe Mungu amekulinda, hii lazima tuseme asante kwa Mwenyezi Mungu. Mlingojea sana siku kama na hii, nusom indirect, yani huku ambapo tunasema asante kwa Mungu kwa sababu ametulinda. Lugha ambayo tulio nayo bora hapa maili leo tunasema sasefet. Na sherehe ambazo tutakwenda, ambalo tunakuwa nalo, ambao tutaanza leo hii, tunasema asante kwa sababu hautaondoka. Na leo tunakuwa na siku kubwa sana kwa sababu tumeanza kipindi hiki ambacho kitaanzishwa leo au kinaanzishwa leo. Na waliko wetu watakuwa wengi sana, wale ambao watatoa vezao au ambao watatoa shukrani zao kwa Mungu na kutoa salamu kwa watu. Tunawaombeni kuwa waaminifu sana. Ninakuwa na kicheko mdomoni kwa sababu timu kuu ambayo inafanya kwamba tu hewani leo, nikiangalia upande wa pili ambao inaongozwa na Bwana Pole Numbi. Bwana Pole Numbi ikiwa ni fundi mkuu wa radio televizio Umoja. Najua programa sio yake Bwana Gael Mubenga ambaye anahakikisha kwamba tuweze kuwa hewani. Asante kwa usaini wake mheshimiwa Adolphe Solochi Sangwa Fwabana, l'homme de la référence. Na leo kwa usaini mkuu, asante kwa sababu supervision pia yake Bwana Dodoka Pend inahakikisha kwamba vile vile leo tuwe pamoja nanyi, mnatuangalia huko manyumbani kwenu. Tuweze kusema nini basi? Asante kwa sababu Mungu ametulinda, anaendelea kutulinda, na ninaamini ya kwamba tutamaliza mwaka huu pamoja, sababu baada ya siku chache tu tutasherekea. Na huku upande wangu nakwambia sasefet. Na kwa sababu ya hivi basi, acha tutakwenda upande wa pili. Tunakuwa na mwimbaji ambaye atafungua kipindi hiki cha leo. Tunakuwa na mwimbaji mzuri sana, kundi hili Emmanuel, ambao watatuimbia, ambaye ataimba na tutasikia huku manjonjon gani, nderembo gani, kemkem gani, na vifijo gani, utamu gani, sauce gani ambayo inaandaliwa upande wa pili. Mwaka huu unasemaje? Utakwenda kusikiliza burudani hii sasefet. Upande wa pili tusikilize burudani. Eh oui, ça se fait chez vous, ça se fait chez nous, wapendwa wasikilizaji na watazamaji ambao mnaotuangalia kunako radio televizio Umoja. Tumewaambia kwamba mwaka huu ambao tuliokuwa tukiishi nao karibuni utafika kwenye ukomo. Mnamo siku chache mwaka utafika kwenye ukomo wake. Na tutakwenda kusherekea mwaka huu ambao tutakwenda kufika kwenye ukomo wake ili tuanze na mwaka 2021. Na huku leo kwa sababu sasefeta, tutakuwa na walikuwa wengi sana. Tutakuwa na walikuwa chungu nzima. Lakini hapa tunakuwa na mwalikuwa mmoja ambaye tutakwenda kuzungumza naye kuhusu jiko la cuisine. Nitampokea
na mtasikiliza nini jiko lake anataka kutuambia nini leo. Lakini cha kwanza, acha tumuulize jina lake. Unaitwa nani, titapeli koma? Mie ninaita njina ya Bifura. Bifura. Ndiyo. Bia mingi. Ndiyo. Tunakuwa na Bifura. Bifura, uko marie, uko celibataire, uko biote? Niko marie. Ah, uko marie. Eh, c'est bien. Batoto bangapi? Mbili. Batoto mbili. Ba fie ba wili, fie na garçon? Garçon. Ah, ok. Leo natuletea nini? Leo namiletea namna gani tutaweza kupika nsombe. Ah, namna gani tunaweza kupiga nsombe au sombe? Sombe. Ah, sombe. Yeah. Hakuna n pale? Apani. Sawa. Namna gani tunaweza kupiga sombe? Sasa unaweza kuambia ba telespectateur wale ambao wako natuangalia, sombe inapigwa namna gani? Tunayua kama bantu ba mingi abayo kupika nsombe. Mhm. Na shaurile tutaleta puke bantu bayo kupika nsombe ni hivi. Sombe manake iku ma iko na makulere, iko na manamna makategori ya kuipiga. Iku ma sort. Tuseme ma sort ya nsombe ile na inawezi kupikiwa. Sasa sababu ile she tunayua sima kama nsombe inaweza kupikiwa ni hivi. Tuko avant kupika nsombe yote, ifo tunaekamo tabia matungulu ai, matungulu ya kiviringo. Tunaiweka tuamo, hatuya itondola kanjo kutondola. Shikwetu tunasema kuchambula. Hatuya chambula, hata tunaweka maramua ai. Apana. Tuanzie kule. Tutaisha. Tutabeba nsombe yetu, tunatondola. Après avoir kuisha kutondola nsombe yetu, tunaisafisha na mai ya mingi. Mai ya baridi ya moto. Ya baridi. Après avoir kusamisha na mai ya baridi, jo tutaiba kiungu kietu na mai kidogo. Tunaika pa moto. Mkuisha kubeba ile mai ya moto, jo tunaiba nsombe yetu, tunasumpula. Mkusumpula mule. Kusumpula ni lugha gani? Swahili. Kusumpula. Ndiyo. Sawa. Okay. Sawa, kusumpula. Okay. Tutasumpula nsombe yetu na mai ya moto. Anjo kusukula. Ndiyo. Oh, mtoto wa Mungu. Ni kusukula aina kusumpula. Ni kusukula mheshimiwa Dete, ni kusukula. Ndiyo. Au kuosha. Ndiyo. Sawa, au kusafisha. Ndiyo. Okay. Tukisha kusumpula na maya moto, tutabeba nsombe yetu tunaika mumai ya baridi. Tutabeba nsombe yetu tunaika muna, tunaika mukinu. Pale tunaika mukinu tunatwanga. Ngambo yetu tushakuweka matungulu ya mkiviringo. Tusha kutayarisha matungulu ai, tusha kutangurisha provan, tusha kutangurisha aubergine. Aubergine, namuna gani tutaweza kutia aubergine yetu ndani ya nsombe? Tutaitondola, tunaikatakata, tunaisamfisha, tunaika musani yetu ya propre. Après avoir kusamfisha aubergine yetu, tutabeba kokombre. Kokombre ile nayo tutaisampisha. Après avoir kuisampisha, tunaitondola, tunaika munsani. Après avoir ile, tutabeba tena seleri yetu. Tunaiba seleri, tunasampisha seleri, nayo tunakata, tunaika munsani. Après avoir kubeba tena seleri ile, tutabeba tena na Sasa mweke pilipili kweli? Hapana, pilipili hapana. Ah, mnaogopa watoto. Ndiyo. Sawa. Tutabeba après celery, tutabeba tunaita nani? Nani? Mnaita nini? Nani ni mtu? Matungulu ya mayani. Sawa. Tutabeba ile matungulu ya mayani na hiyo tunaisafisha, tunaikata, tunaika munsani. Sawa. Pale tunatwanga nsombe. Tutatwanga nsombe, haipashi nsombe hivi kabisa. Sombe itakuwa saa ya kuivya. Kama ni kutwanga sombe, haipashwe ivye kabisa. Kuivya ni kusema ishikunaweka kuchungu wala kuregea kabisa. Hapana. Kuivya ana kutwanga mukini. Pale tunatwanga mukini. Na iko na ivya muli? Ndiyo. Iko na ivya, iko na regea. Iko na regea. Ah, sawa mama. Iko na regea. Après avoir kuweka vile tu tabeba aubergine yetu, tunaika mukini. Tunatwanga kiloko, tunabeba kokombre, tunatwanga kiloko,
tunaika seleri, tunatuanga kiloko, aipashi nsombe, hivye bui. Aha. Isiregei sana. Isiregei sana. Njo kuivya bui, eh? Ndiyo. Okay. Mm-hmm. Après avoir kuisha vile, tunavieka vyote, tunatuanga. Tutabeba nsombe yetu, tunaika pamoto. Inakuwa ba mama bengine beko naeba mai. Baiba mai kama ni mankopa, kama ni sen, kama ni sis, banaika mala moya mchungu. Apana. Sombe bapikake vile. Mm-hmm. Tutaeba kiungu kietu, tunabeba nsombe yetu, tunaika mkino. Tunaeba nkopo moya mai, tunaika. Après avoir kweka nkopo yetu ya mai vile, tutaeba kiungu kietu, tunakika pamoto. Mkweka pamoto vile, tutafinika kiungu kietu. 5 minutes après, tunangaria kiungu kietu kama mai na kamia. Tunaiba tena mai ingine tena. Kukamia ni nini tena? Kukamia ni kuivya au inakauka? Kukamia tuseme mai inakauka. Ae sawa. Après avoir kama tunangaria ke mai inakamia, tutakamata tena nkopo tena moya. Tunaeka. Tunafinika. Munaweka, munaongeza. Ndiyo. Après avoir kufinika vile, atuta sabwa kweka mo mafuta pani. Sawa. Tutaiba mafuta, tutaiba nkalanga. Tutaiba nchumvi. Ni mafuta ile mutaipika kwanza ina hivyo wala ni kumuanga mule mara moja? Hapana, tutamuanga. Uh-huh. Après avoir kumuanga vile, tunamuanga. Mafuta gani? Mafuta yote? Mafuta kinkonja. Sasa hii ingine hii. Hapana, hii ya sarti ni ya kalanga nayo mamboka. Ah, okay. Ndiyo. Uh-huh. Après avoir vile, jo tutaiba sasa maepisi yetu comme vedan. Sasa, tuko musasefete. Hii kalanga yenyewe mnasema utamwangia mule, utamiminia mule. Ni kalanga ya kutwanga wala hii ya kukalanga hii? Ndiyo, ni kalanga ya kutwanga. Ah, sawa. Mm-hmm. Tutaeba kalanga yetu ya kutwanga, tunaeka msombe, tunaeka maepisi, comme vedan, ubie pundu. Mbona maepisi inakuwa mingi? Haitavunja magoti hii kweli? Hapana. Hapana. Mm-hmm. Sawa? Juu ya guu ya msombe. Sawa. Après avoir vile, tutakuya tena, tutaeba tena ile benaita insamanki ya mkopo. Pichard. Eh, tena tunaongeza mu. Tena tunaongeza mu. Après avoir kweka ile samaki ile. Sasa mbona inakuwa depense sana ile? John sombe. Njo sombe. Hapana, insombe mimi napika, banaiba nsombe, banasumpula, banatwanga, banaika nkalanga, mafuta, nchumvi, manake njo kuisha. Hapana. Sombe bapike vile. Sasa pichard unafanya nayo unaitwanga pichard? Hapana. Aha. Pichard ile ni après kutwanga nsombe. Tunaika ile nsombe pa moto, isha kwanza kama kuivya vile. Okay. Jozo tunaiba sasa pichard tuyamwangia. Mm-hmm. Après 5 minutes jozo tunashusha sasa kiungu kietu tunaservir. Eh. Ese ni ma 5 minutes, ma 5 minutes tunaservir. Ndiyo maana. Na unaestimate sombe yenyewe ku moto inaweza fanya dakika ngapi wala masanga? 25 minutes. 25 minutes? Ndiyo. Mais c'est vite fait. Kumbe hii on va fêter avec ça. Aha, uh-huh, kunaishia pale. Jo ndiyo. Sasa kusha servire watu, inakuwaje sasa? Juu munakuwa maipise mingi, watu wate na ngambo ya pili kweli. Unajua ngambo ya pili? Sasa fete. Sasa sombe hii, kuko masombe yenye, ikuna, inatoka kuma interior ili ya mirefu sana, ili kuko sombe kuna angali kuburefu mwapa mwana mii, ingine kuburefu mwana lejea. Sasa inakuwaje, yote inapigwa aina moja? Ndiyo. Manaki hakuna ile masombe ile. Njoo mimi najua aseme sombe kuko miti ya mihogo ile inaachana. Sasa hii sombe yo haiachane mumpigio? Hapana, sombe haiachane mumpigio. Aha, haiachane mumpigio. Di. Sasa hii sombe hii unakuwa na experience ya kupiga hii sombe unakuwa miaka ngapi? Safi mina. Tuseme mama yangu jua kunifundisha namna gani kupika sombe. Sawa. Sasa kama mnakosa epice moja mwa hii maepice yote yenyewe unatoka kutaya hapa. Eske itakuwa butamu tu? Kabisa. Itakuwa butamu. Kabisa. Sawa. Mesdames et messieurs, asante kwa sababu mko mnafuata kipindi kizuri kinachoitwa Sasefet. Sasefet ni kipindi ambacho kimezaliwa leo na kipindi hiki ni kitamu sana. Kwa sababu ni kitamu sana. Tutakwenda upande wa pili tupate transition ya kuweza kumshindikiza Bifura. Sasa Bifura kwanza acha tuseme hivi. Kweli unakuwa na furaha? Ndiyo kabisa. Cheka kwanza tuone sasa fete. Bifura anakuwa na furaha sana. Lakini tunaweza kuingia tuweza kwenda upande wa pili tupate transition ya kuweza kumuaga Bifura.
upande wa pili. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Eh ben, ça se fait. Eh oui, ça se fait. Ça s'est fait. Yasherekewa. Yasherekewa. Ça s'est fait. Mulikuwa wengi mkitusikiliza na kutuangalia kunako radio televizio Umoja. Kwa wote ambao umepoteza ndugu jamaa na marafiki, wapumzike kwa amani. Hivi basi mwaka umemalizika. Wahenga wanasema ça s'est fait. Maana yake yasherekewa. Vous étiez nombreux à témoigner de votre fidélité au programme de la radio-télévision Umoja. Mille merci à vous, car vous avez cru en nous. Et oui, ça se fait. Joyeux Noël et bonne année 2021. Ça se fait. Vous nous avez fait confiance tout au long de cette année 2020. Voilà que l'année touche à sa fin. Une raison de plus pour vous dire que ça se fait. Joyeux Noël, bonne année 2021. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Eh ben, ça se fait. Eh oui, ça se fait. Ça s'est fait. Yasherekewa. Yasherekewa. Ça s'est fait. Mulikuwa wengi mkitusikiliza na kutuangalia kunako radio televizio Umoja. Kwa wote ambao umepoteza ndugu jamaa na marafiki, wapumzike kwa amani. Hivi basi mwaka umemalizika. Wahenga wanasema ça se fait. Maana yake yasherekewa. Vous étiez nombreux à témoigner de votre fidélité au programme de la radio-télévision Umoja. Mille merci à vous, car vous avez cru en nous. Et oui, ça se fait. Joyeux Noël. Wapendwa watazamaji, kwa uaminifu wenu ambao mko mnatuangalia huko manyumbani kwenu, tunakuwa na furaha sana kwa sababu ça se fait ni pamoja nawe, pamoja nasi sote katika jimbo la Hoka Tanga, katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ulimwenguni pote, huku watu wako katika maandalizi ya ça se fait. Nini ça se fait? Mwaka unasherekewa, mwaka unamalizika, mwaka unakaribia kuisha ili tuweze kupokea mwaka wa 2021. Ça se fait. Huku tutakwenda kumpokea Mungereza. Tutakwenda kumpokea Mungereza ambaye ni Mr. Chish. Atataja jina lake vizuri, eh? Atataja jina lake vizuri. Na huku wakati tutakwenda kumpokea, furaha yangu ni kwa sababu wewe na mimi tutakwenda kumsikiliza na kumwangalia. Na atakuja na expression. Maana yake atatuletea elezo, tafsiri, neno na tafsiri yake. Mr. Chish, you are welcome. Thanks very much. I'm very happy to be with you in this nice program of Radio Television Umoja. Very nice program, very nice program. Sasa mheshimiwa, wewe unajua ni Kiingereza, Kifaransa, ça se fait comme ça. Tunataka kujua, vous êtes marié? Oui, bien sûr. Plusieurs enfants, plusieurs femmes? 8 enfants, à dire vrai. 12 femmes, 2 femmes? Une femme. Une femme, mm-hmm. Qui s'appelle? Sansa Joséphine. Sansa Joséphine. Sansa Joséphine ni mke wako, najua utatuambia kwamba unampenda sana. Tunamsalimia mama Sansa Josephine kule ambapo unaangalia radio televizio Umoja. Tuko na mheshimiwa hapa. Tunakusalimu wewe na familia yako ya watoto wanane. Watoto wanane. Mheshimiwa, expression gani ambayo uko nayo leo? Kiingereza hapa ninakiangalia, nasikia ni kirefu tena kigumu sana. Acha nijaribu kidogo nisikie kinasema nini. Action speaks louder than words. Nasema kweli kabisa? Hapana, tunaweza kuorisha kiloko. Ndio. Action speaks louder than words. Louder than weeks. Words. Words. Mm. Sawa. Ça s'explique en anglais. Unaweza kutupatia tafsiri. Inasema nini kwa kifransa? D'abord mon anglais, kisha mon kifransa après. Sawa. En anglais ça s'explique. En anglais comment? Autrement dit, hein, tout à l'heure t'as deux traductions. Hein. Mm-hmm. Nous appelons traduction littérale. Mm-hmm. Utajaribu kushusha microphone kidogo, sawa. Hapa, sawa. Traduction littérale, mot à mot. Action
speaks louder than words. Ça signifie littéralement d'abord, l'action parle plus haut que le mot. L'action parle plus haut que les mots. Que le mot. Mm-hmm. Deuxième traduction, ça dit traduction littéraire. Pour donner un bon sens, on va dire, on prêche par exemple. Il ne suffit pas de parler à longueur de journée, mais il faut que ce que tu dis soit traduit dans les actes. Mais où est-ce que vous avez tiré ça? Hii umeitosha wapi? Inakuja kwa nani? Mwandishi atakuwa nani? Non, mwandishi, c'est-à-dire, tunatoka ma documentation. Ok. Quand nous lisons, hein, nous prenons note de ce qu'on appelle les notes de lecture. Mm-hmm. Ensuite, nous mettons ça en pratique. Même aux enfants, on leur donne ça. Donc, on appelle ça, c'est comme un proverbe, voilà. Ah, comme un proverbe. Kama tunaweza taka kwenda mbali kidogo. On prêche par l'exemple. L'exemple. Mm. Na, ça concerne qui exactement? C'est tout le monde? Non, c'est dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire, oui, Akili, il parle bien. Pour que tu aies parle bien, la fois tu la connais sur le terrain. Mm-hmm. C'est ça l'exemple. Ah, ça va. Après, on me citait Akili, oui. Mais il faut qu'on te voit sur ton terrain. C'est-à-dire, par Umoja, ça s'est fait. Ou la Kimbia Mbio, tout ça. Ah, donc il est là. Tu as dit que tu as dit que tu patron quelque part, na uko naleta ma instruction par exemple. Lazima na wewe ukue exemple mu ma instruction, na respecte mipaka yako kama uko chef, unasema na kitu kinatimia, si ndio? C'est-à-dire comme chef. Mm-hmm. Tu dis hein kubana ni kuba ouvrier yako que quand j'y apprendre par exemple à 7h30. Il faut que na bo ba vivre le sma quand pas toi sma 7h30, c'est-à-dire chana la muka. Après 7h30 ou 9h, comment tu vas constater que les ouvriers sont arrivés à 7h30? Voilà. L'heure à laquelle tu veux que tes ouvriers arrivent au travail. Aha. Ikimaanisha kwamba ikiwa uko kiongozi lazima kufanya kitu wala kuwa mtendaji na uheshimu sheria ambayo umeiweka. Hauwezi kuweka sheria ambayo wewe kiongozi hauiheshimu. Ikiwa uko baba unaleta sheria nyumbani, lazima kuheshimu hiyo sheria. Hawezi kusema hii funguo ya toilet lazima iwe inabaki hapa kufenetre. Kisha we baba wakati ulitoka ku toilet unaweka mumfuko unaenda nayo mkazi. Watu wanabaki wanahangaika. Ile saa unatafuta kutosha cash ne unaangalia kuna funguo ya toilet mumfuko. Donc kwa kupreshe par exemple, unapaswa kuwa na we mwenye kuheshimu ile sheria ambayo umeweka. Sio tunawaza ni vile? Ni vile. Tunaweza tukaongeza kidogo. Jaribu kuongeza mheshimiwa. Kuko auteur moi chaque fois, c'était un auteur nigérian. Tu sais, au Nigeria, la langue officielle, c'est l'anglais. English. English. The official language of Nigeria. Son nom, donc, l'auteur là, nigérian, répond au nom, il est devenu feu. Il répond au nom de Wole Soyinka. Wole Soyinka. Il a dit ceci en anglais, hein, The tiger. Le tigre. C'est un animal. The tiger. Féroce. The tiger does not proclaim. Le tigre ne proclame pas. It's a tigritude. Ne proclame pas sa tigritude. Le fait d'être un tigre. But, ok? Kolakini. He bounces on the prey and eats the prey. C'est-à-dire quoi? Le tigre ne proclame pas sa tigritude, mais tue sa proie et la mange. Ok. Ça va. Donc le tigre ne peut pas dire non, c'est moi qui suis le roi de la jungle, tout ça. Non, montre ça. Donc c'est aussi un exemple pour un exemple qui vient en appui à ce que nous disons ici. Mr. Chish, nashukuru sana kukupokea na ninafurahia sana expression yako au zako kwa sababu umeeleza vizuri sana. Lakini mwaka huu ambao tunakwenda kumaliza, ulipitisha mwaka namna gani? C'était comment? Oh, mwaka ilikuwa na kizozo unataka? Ilikuwa na matatizo na problem. Ma problem. Hali ilikuwa mbaya. Because of the lockdown the confinement. Tulifika mu 2020. Tuko mu 2020. Bientôt c'est la fin de 2020. Tulifika le 19 mars.
2020, Raisi, donc le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en avait mes mesures, Yakusema. Yakusema kwamba. Yakusema kwamba. Tuna formé ma somme, ma somme, professeur. Tu as formé ma somme jusqu'à nouvel ordre. Pour confirmer que professeur, que complexe scolaire, Imani, Monseigneur Solochi. Là, on dit, donc, chef du complexe scolaire, Solochi, a failli ma publicité. Ah, ok. Alors, tu as publicité, tu as dit, mais, pourquoi mes inscriptions, on va pas. Ah, donc, on a payé. La bonne adresse, c'est là-bas. Donc, nous n'avons pas le temps de nous targuer d'être ceci ou cela, non? Oui, oui. C'est ça qu'on a dit. Hein. La discipline. Donc il faut passer par l'exemple. On revient encore à avec action. Solochi. Speaks louder than words. Action, c'est-à-dire, nous faisons de bons résultats. Donc des résultats qui retentissent dans les oreilles des gens. Quand une maman, un papa qui sait que il a besoin que son fils soit bien éduqué, soit bien instruit, la bonne adresse c'est Umoja. On était en confinement. Raisi Alisema, confinement. Donc, il est tentatif de kilo parce que tu vois, c'est une école privée. Les façons, il y a que. Pas de kamouchara. Kale kamouchicha, kale kamototo kale. Dieu aidant, comme nous, à Umoja, nani yetu, emblème ou devise. Tout est grâce. Tout est grâce. Dieu nous a fait grâce. Nous avons vécu jusqu'au moment où je suis devant vous. Ok. C'est une chose à quoi, mais sinon, il est plus dans Mouzoui. Na famille yote Mungu anaichunga. Wale watu abatoa mafunda mazuri, wengine badaisha. Wengine badaisha, je pense lundi bata proclamer hein. Ndio. Juu fio wangu mkubwa wa mwisho atafanya iko munani. Ni deuxième licence en économie à l'université. Fio wako mkubwa. Mtoto wa mwisho. Mdogo. Wa mwisho kwa nani? Bafi. Sawa. Juu na bafi na bafi tatu na anapata licence hapa. 5. Sawa. Mu economie. Mheshimiwa. Mwingine Cynthia yako state. Sawa. Alifanya anglais samie ku ESP. Unaona ESP ni mashine formaka sana. State America. Yes. Okay. Her name is Cynthia. So Cynthia. She's now in the States of America. Okay. So teacher, nafikiri kwamba I have a problem to speak English but najaribu ku try kidogo eh? Una try pale tunabisha mission au try gani? Paka masasa nyoni. Kwa mission inafaa kufuata. Ndio. Na kuweka marema kwa session pour qu'on aille de l'avant. Okay, mheshimiwa nimekupokea, umeongea vizuri, expressions zako ziko nzuri sana. Naamini kwamba watazamaji na ambao wanatusikiliza kwenye njia ya radio kunako 93.5 wote wanafurahi sana. Lakini tukisema kwamba umeeleza maelezo yako vizuri sana. Lakini acha tukuulize, unataka kupresente mavue yako kwa akina nani ambao unawatakia mwaka mpya mzuri? Tuweze kusikiliza hata watu watano, si ni wengi jamani, au 10 watakuwa wengi sana, 5 ni sawa. Le vœu le meilleur, unawatakia nani? Lakini Swahili yako kitoko sana. Mimi nataka nijue kufunda kwa Kiswahili ya nani, ndio unapresa stand de Swahili. Sawa, na mimi nataka kujifunza English. Mimi hapa napa ku TV tu mmoja mimi. Leo tuko face. Side by side. Side by side. Okay. Asante sana mheshimiwa. Sasa fete. Very happy. Very happy. Sasa le vœu le meilleur. Lakini à tout seigneur tout honneur. Tout honneur. Sente le vœu le meilleur à l'honorable monseigneur Adolphe Solochi Mabwana Sangwa, parce que c'est lui qui a permis que nous soyons ici dans ce cadre magnifique, ok, la radio, la télévision Umoja. Et puis, tu vois, hier dans ma facette Yaming, d'abord notre père spirituel, parce que prêtre, ok. Deuxième chose, écho. Initiateur, promoteur, il y a fondation. Fondation Yote qui porte son nom. Les fondations, il n'y a pas que. Non, pas seulement la télévision, pas seulement l'école, centre de santé. Centre de santé, et puis. Ferme un fouata. Salle polyvalente. Tout à moi, on a cherché à l'opin de terre. Dio. Tout à moi, on a cherché Tungaingai. Dio. Tu n'as pas mon toile. Et puis, il est avocat. Il est avocat. Et aujourd'hui, il est en train de construire. Université. Il y a un professeur Takizala, tout ça, n'achète un enfant université et tout. Dio. Mais avec ma option à Kwachana, tu t'as introduit ma option à moi, à deux, c'est ma connaissance.
TV. Ndio. Ye mwa tasemaka. Ni kutakuwa nini na kutakuwa nini ile njoo wewe peke yako utajua. Utajua me. Sawa. Voilà, njoo la première personne à qui j'ai présenté les vœux. Le vœu le meilleur. De nouvel an. De nouvel an. 2021. Deuxième personne, bien sûr, préfet, préfet des études. Il s'appelle Béa Kankonde Emmanuel. Béa Kankonde Emmanuel, je confirme. Le vœu le meilleur. Quelqu'un, tu es toujours au four, Moulin. Toujours présent. Comment c'est cette personne-là, cette personnalité, travaille. Emmanuel Kankonde. Pour que les choses il marchent. Il est trop calme. Trop calme, mais c'est un bosseur. Un bosseur. Ouais. Vous continuez avec le vœu. Alors, ma famille. Votre famille. La, avec comment la maman. Les noms de votre famille, c'est, les noms. Ah, la famille, votre famille porte quel nom? Porte mon nom, famille Chichi. Ah, famille donc, Chichi. Je présente le vœu meilleur à famille Chichi. Chichi. A commencer par la maman, Sansa Joséphine. Tous les enfants. Il faut que je cite les noms des enfants. Non, tous les enfants, mais la dernière ou les derniers là, c'est qui? Ah, de la famille. De la famille. C'est un garçon, hein, c'est, il est Aymara. Il est Aymara. Il s'appelle Chichi Sansa. Chichi, Chichi mon nom, Sansa, le nom de sa maman. Parce que nous avons déjà clôturé. Ah, vous avez il faut clôturé. Pas à mon âge commencer à faire des enfants. Tout ça comme un canard. Ouais. Ouais, bon. Ah, ça, donc, ça. J'ai déjà clôturé. Dio. Et vous avez clôturé. Aussi, c'est fini. Pour le vœu. Ah, le vœu. Je vous ai donné cinq personnes. Non, 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 vous non. avez commencé par Solo Tissalofa. Oui, c'est-à-dire le préfet. Le préfet, tous mes collègues professeurs. Ta famille, tous les collègues les professeurs. Du complexe scolaire de Mali, de l'Institut Mongoti, tout ça. Et sans oublier l'équipe forte de la RTU. En tout Mongoti. Cas, j'allais regretter comme Haungé, tout ça. Il y a d'abord le révérend père. Puis le révérend père. Notre directeur. Il y a Dodo Kapende, directeur technique. Il y a Pauline Numbi. Il y a Kaël Mubenga. Il y a Gassia Mayanga. Sans oublier Aki. Matibu, le pape de la presse katangaise. Ah. Asante sana. Asante sana kwa. Asante sana kwa kumpokea mista. Asante sana kwa kumpokea mheshimiwa Chichi. Kwa kuweza kuleta maelezo yake, expresio, ametuma ve na maeleza mengi sana kwa muda huu ambao tumempokea. Asante sana wapendwa watazamaji Sasefet ala radio televizio umoja. Na huku tutakwenda kupokea transition fupi ili tuingie katika maelezo mengine. It must be celebrated. It must be celebrated. Asante sana tupokea transition upande wa pili na tunaendelea na kipindi Sasefet. Ça se fait. Ça se fait. Eh ben, ça se fait. Eh oui, ça se fait. Ça se fait. Yasherekewa. Yasherekewa. Ça se fait. Mulikuwa wengi mukitusikiliza na kutuangalia kunako radio televizio umoja. Kwa wote ambao mepoteza ndugu jamaa na marafiki, wapumzike kwa amani. Hivi basi, mwaka umemalizika. Wahenga wanasema, ça se fait. Ana yake ya sherekewa. Vous étiez nombreux à témoigner de votre fidélité au programme de la radio-télévision Umoja. Mille merci à vous, car vous avez cru en nous. Et oui, ça se fait. Joyeux Noël et bonne année 2021. Ça se fait. Vous nous avez fait confiance tout au long de cette année 2020. Voilà que l'année touche à sa fin. Une raison de plus pour vous dire que ça se fait. Joyeux Noël, bonne année 2021. Ça se fait. Ça se fait. Eh oui, ça se fait. Eh ben, ça se fait. Eh oui, ça se fait. Ça se fait. Yasherekewa. Yasherekewa. Ça se fait. Mulikuwa wengi mukitusikiliza na kutuangalia kunako radio televizio umoja. Kwa wote ambao mepoteza ndugu jamaa na marafiki, wapumzike kwa amani. Hivi basi, mwaka umemalizika. Wahenga wanasema, ça se fait. Maana yake, yasherekewa. Vous étiez nombreux à témoigner de votre fidélité au programme de la radio-télévision Umoja. Mille merci à vous, car vous avez cru en nous. Et oui, ça se fait. Joyeux Noël et bonne année 2021. Ça se fait. Vous nous avez fait confiance tout au long de cette année 2020. Voilà que l'année touche à sa fin. Une raison de plus pour vous dire que ça se fait.
Joyeux Noël, bonne année 2021. Ça c'est fait. Fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Eh ben, ça se fait. Eh oui, ça se fait. Ça c'est fait. Yasherekewa. Yasherekewa. Ça c'est fait, ça c'est fait. Wapendwa watazamaji ambao mnaoangalia radio television moja kwenye kona zote za mji mkuu wa Lubumbashi. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Nous fêtons avec vous na tutafete tena sana na zaidi. Asante kwa wote ambao wanatuangalia kwenye marché mzee, asante kwa ambao wanatuangalia manyumbani, wanatuangalia kwenye maofisi zao za kazi, kuma boutique alimentation. Asante kwa sababu mko mnatuangalia, iko vizuri sana kwa sababu mtasikia mengi zaidi na tunakuwa na furaha kwa sababu Mungu ametulinda, tumeanza mwaka na karibuni tutakwenda kumaliza mwaka. Kwa wote ambao wamepoteza ndugu jamaa na marafiki, wote tunawapa mkono wa makiwa na Mungu awalaze mahali pema. Na wale ambao wako hai, ambao wako hospitalini wakisumbuliwa na magonjwa, Mungu awanusuru, Mungu awaponye. C'est comme ça dans la vie. Ça se fait et ça va se fêter. Hapa niko na walikuwa wazuri sana na utakuwa na kicheko sana eh? Utakuwa na kicheko sababu niko na walikuwa ambao tunaweza kukutana nao na utosikiliza, ambao watakwenda kujipresente, watajitambulisha. Na huku tunasema nini? Huku tunasema saferir, yani yachekesha, kicheko mdomoni. Saferir. E bwana, acha ni waulize upande wangu wa mkono wa kulia, jina lako ni nani? Mie ni Johnny Muteba. Sawa, Johnny Muteba. Faa mikro yako kama hivi navyofanya. Sasa fete ni kushusha kidogo. Sawa, Johnny Muteba. We. Na bwana unaitwa? Mimi ni Mweleka kwa Janaume. Napenda kia waparesia, napenda kusambusha bantu wote njime ni mkazi. Njoo njina yangu. Pardon, unaweza kurudia tena? Jina yangu ni Mwelekar mkuu wa Janaume. Apendake baparisia, napenda kulamusha bantu wote njumende mkashi. Mwelekar kuku wa Janaume anapendaka kulamusha watu wote kusudi wende mkazi. Ndiyo. Sawa. Na ikiwa kwamba unaweza kuhakisha mikro yako, nafikiri sawa, iko sawa pale. Na kwa sababu majina yenu tumeitambua, turudi ngambo ya pili. Marie célibataire. Célibataire. Célibataire, combien d'enfants? Célibataire, donc sans titre ni grade, c'est-à-dire ni enfant ni fiancé. Asa jamani, hawa watoto wenyewe wako manyumbani, manyumbani hawa wanawake hawa na hizi ndevu zote mzee, kweli hawaone kweli? Bon, la première raison est que ba fi bote presque bote avec occupé pour l'instant, et la deuxième raison mi mwenye shaenisha aje akoa pana. Na kama hujaeneza aje ya kuoa, kuna bakia upande yulu tena au inakuwaje? Kuna baki miaka ngapi? Bon, selon ma projet tu kwaka nayo, ikuwa prévu ni wewe na nani? Mie na muzazi. Ah sawa. Yeah. Okay. Ikuwa prévu ni jangaje mu 2025 mu fiançaille. Mais fort dommage, mon père m'a quitté avant que puisse ku planifier. Bon, là il faut pour reprendre na projet. Que son âme repose en paix. Bas. Sawa, ulisema jina? Johnny Muteba. Johnny Muteba, unatuletea nini? Leo tuko mdanleriri, uneza kutuambia uko nani, karier. Unakatala makarier lakini dandleriri, kuna nini unatuletea? Oui, mikuwa na susi sana, mukona evolution ya mwaka 2020. Mm-hmm. Bile tuwanza nayo na wako tunafika, je rencontre ba komplekse ba mingi mu maisha. Ba complexé. Oui. OK. Surtout ni kwa yatashe ngambo ya badada. Ah badada benyo nakatala kupenda. Oui. Sawa. Les filles les plus complexées. Mm-hmm. Je pense trois kuma somo. Tukwa na ikala pa ba 5 personnes. Mm-hmm. Trois dada moya pa mpembeni. Ya ko ntambia ke ni kwa ikala mu Bel Air. Oh, chez nous c'est au Bel Air. Non, non ma français mingi mingi. Chez nous c'est au Bel Air. Un jour on a quoi expliquer mwenza ke non, tu vas chez nous. Aujourd'hui, il n'y avait que 10 litres d'eau minérale. Chez moi, est original. Oui, alors papa dit que toi, tu vas te laver cette eau-là. Comme ça, tu entres dans le dépôt, tu prends deux casiers de sucre, tu t'enchaînes avec. Ah ah. 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 Nangaria. Ma ongle n'a pas été simple. Comment tu es là, tu es là, tu es maintenant, tu n'as pas voulu m'en bonner chez Okani. Chiku ya Kirio, ao chiku ya Feti. Chiku ya Kirio. Tu es sensible, sinon tu es en train d'emporter ça, ni babake.
tu n'as tout quand on fait comme ville, tu n'as moins. Alors bon, on peut prendre quel taxi et la direction quand on se met à fuir pour Kiri. Oh non, arrivé seulement là où ben à la Mika, si c'est les trucs du genre qui lobe lobe. Ah. Si c'est les trucs du genre qui lobe lobe. Oui oui. Il est motoka na panda mia kandira kwa Trishana. Ashigu arrive. Tu n'as pas d'accord croyant que bon. Tu ne sais pas si tu as un peu de temps, tu peux descendre. Non, en fait, c'est moi qui termine. Ah! Je suis caprice, Yamingi. Yayulu! Quand tu termines, tu crois que tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, mon chemin. On arrive là. Et tu es habillé comment? On ne te va pas. Oh, vous êtes au terminus. Ok. Alors, demandez-le, mon toka le bébé, comment ça s'appelle Biaville? Ah! Bon. Tu n'as pas de temps, comment ça s'appelle? Tu n'as pas de temps, Bandoku. Complexe, ça bien au maïcha. Je vous dis voir un peu comment la fille s'est inventée comme ma saumon, connaît ses bileko. Mais nous sommes arrivés là-bas voir Nyumba. Mon gars, Nyumi. Ndio. Si Dieu comme il vous l'a dit, moi, quand il t'a dit, c'est le Nyumba qui a bâti. Il est bâti à Mouzima. Moi, c'est tout ça, mon vumbu là. On est même de se calmer, à dire repentir. Ayez un qui t'a voué face ton couya. Oh, vous savez, bon, au fait, il Nyumba. Quoi, tout ça, mon locataire, de t'organiser Kirio. Tu sais, le papa ne voulait pas tout mourir. Papa, ça m'a quitté comme là où on restait avant. Alors, on ne peut pas tout quoi, qu'on y a au coup, tout rire. Après, on va dire non, 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 dada. Complexe, ça n'a bien au maïs. Ça va, mais il va encore ça, beaucoup. Il y a un complexe. Merci beaucoup, ça fait rire. Vraiment. Ça, ça, message gagné, il y a eu comme moi. C'est-à-dire, moi, rire. Ok. Ce que je voulais donner comme message, Nivi. Qu'il est ouko, Dieu qu'il est. Si chez toi ata ni wapi. Ata una télévision. On est si c'est que tu enda kufata ku bavazin. Ndio. Malgré couvre feu nanza ni 21 ngo ku nyumba. Ndio. Alors complexe na bien maisha. C'est que tu as ça Dieu qui ako. Dieu qu'il est connaître. Mais c'est pas kureka mon niveau là on a pas na. Voilà, ni kongambo ya jogo hein. Ni kongambo ya jogo. Sasa upande wako safirire. Unaweza kutuambia nini? Safirire. Hapa anasema mambo ya Kirio. Mimi nakumbuka na mambo moya ilipitikana paka mkirio mama mwaba natokea leta paka bilio batu bakufe ni ah se chitu nikalaka tu ni jinspire para pora mambo kunapita okay ah so mnaona hivi anasema mambo ya kirio aninikumbusha na mambo moya ilitokea mkupita paka mkirio tena ndio ilikuwa siku moya tunatoka tuko naenda kujika tunatoa mkujika tunafika kujika ni kuzika ah hii maswali yenu yangu nguvu hii sawa endelea yeah. Mnayatoka kujika ah tunatoka mkujika kwa vile masimaka mswahili mkustiri sawa pale ndio nashikia furaha sawa tunatoka mkustiri tunafika shibote mkirio cha kuikala na ule mama arifisha bwana shikala chini hapa na hapa tunao tuma telefoni tu tuloko tunikalaka paka mifuko na bentu wengine banaikaka huko ule mama anashikia ka telefoni kanafanya nini kana vibre ni nani paka hapa tunatokea kuzika. Anaangalia telefoni yake. Anaangalia kuko message basha kumutumia ke. Mimi nafika mzuri. Huko mimi nienda bana nipokelea mzuri sana na mumashiku kiloko mimi nitakuwa kukubeba. Wewe mashimo unaona na emotion kutoka kusimetere pia nafika kuikala. Ndio. Telemana ule mama anaangalia telefoni. Mimi vile alianza kulia njoo anashangaa sasa. Wende we moya, wende moyo we moya, tabakia kuchunga watoto yangu mimi mwenyewe, tabakia kuchunga watoto. Sasa muulize ilikuwa ni mambo gani? Ilikuwa ni mambo gani? Ni papa mwa aranza kuvoyager. Sasa telema arifika bien kule arienda, njoo aranza kuambia bibi yake ki hapa tunafika, takuwa kumibeba na mwee nisha kujinstali deja mzuri. Sasa ule mama yari onasema ni bwana yake ule alikufa, njoo anamtumia message kisha kufika mzuri atakuwa kumubeba na yeye. Manake hii message iliangukia kwa huyu mama wake. Alikuwa na numero yake. Ah, alikotola njoo numero. Après njoo alimuita sasa mimi kotola mnisamee. Njoo le mama tension alimshuka tipaka mzero. Asante sana. Turudie upande wa pili Safarir. Turudie upande wa pili. Eh bwana, sasa sijui mko ba groupe gani. Mimi nabaona tu hivi lakini ambotuambia mko ba groupe gani? Bon. Tuko tupi wote mjume kwa hapa na mutayona. Ni Arcancel Mutayona na itaji presente kubatele sasete bote bataifata na bataifamia. Aksan sana, unaweza kutuma salamu kwa watu. Salamu kwa familia yangu inanifuata, mama yangu mzazi mama Anastasie na kadeo yetu Armel je te salimu petit frère. Aksan ma vœu yako na wewe. En tout cas, je présente mes vœux kwa famille Lufulu Abokie, ma famille à moi et à la famille Katai, les deux familles là dont recevez
vos vœux le meilleur. Accent sana tunaweza kupokea transition upande wa pili kusudi tuweze kuwashindikiza hawa ndugu ambao tumepokea juu ya kipindi hiki sasa fet. Hawa meleta safari. Le complexe scolaire Imani Monseigneur Solochi vous présente les vœux, les meilleurs, à tous les personnels de la Fondation Monseigneur Adolphe Solochi à l'occasion des festivités marquant la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. Celle-là bouleversée par la pandémie à coronavirus et dont l'issue n'était pas aisée. Qu'il soit réconforté et protégé par la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Teachers of Imani School, for your outperformance education to us, for your great concern for our school training, all the pupils of Imani School, Lordship Adolphe Solochi, wish you Merry Christmas and Happy New Year 2021. May Almighty God protect your households and grant you long life. Sasa fetu wapendwa watazamaji kunako radio televizio Umoja katika jimbo la Haut-Katanga vile vile nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa fetu et nous allons fêter tous ensemble. Acha tuweze kupokea hao wengine walikuwa ambao tungali nao katika rubric sasa fetu katika rubric safari. E bwana yeye unaweza kutuambia jina lako vuzapeleko. Ma kama ni Chiluba, kama ni Swahili unaitwa nani? Mie beko naita XV Chimichipamba. Luke nguwa baku toujours la tête no jamais la ke. Si le fais boko na njiko tu XV Chimarombe lutoko ya urto kwa mpombe. Njo mi ule pale ya urto ya urto kwa mpombe. Lutoko ya urto kwa mpombe pale na nyipata 100%. Accent. Accent sana. Ibu anana unaitwa nani? Mzee Moba kambia taifa yake. Mukikuyo wawili au watatu. Malaki mnakuwa na taya jina langu. Miku kati yenu, manaki mufanya hivi kwa kunikumbuka. Nene, Ringumba mzee wa bazee. Asante sana bwana Ringumba. Sasa bwana Ringumba, unatuletea nini leo? Manaki, leo mine miletea ni mambo moya ya mzuri sana. Ni mambo kani, tunaona huku kumafendela ne. Manyumba ya mingi inapendaka kuita batumishi ba Mungu, babeniri kumanyumba. Ndiyo. Sasa, telema kwetu tunangaria magonjwa na pita. Bana sema apana, tuwezi kubakilia hivi. Ilipo tuite mchungaja, falini aingia kwa tuombe. Ni kweli, manake banaita mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu wakati alifika, maombi ilikuya ni moto, moto manake. Anaomba, naomba, 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 naomba. Tunasikia tu mtumishi anakata. Asema, tangu bilanza kumi. Ni kunasikia kintu kimoya mnyumba humu yenu. Akiendeki. Niku naona muzazi. Baba kule kukazi kule. Tuku naona saa kazi nataka kumalizika. Na ikimalizike ile susi utakuya nayo. Itakutuma paka kukufua. Sasa tunapenda tuombe. Mungu avunje ile pepo ya lufu. Na kazi sifanini isimalizike. Maombi tena na. Maombi, 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 maombi. Managi baliomba sana. Tunasikia tena mtumishi analia sema hapana. Mungu ananiambia unitaie kwa manjina watoto yako ya mtumbo. Kila mtoto njina yake mtumbo. Banazi. Masengo kaya. Banaangalia maulu. Banaangalia kaboma. Banaangalia kabamba. Di anataye manjini. Kasongo. Mchungaji anekala. Anasema mimi ule misanga. Mwenye baleji, joni ni amuna na kizuri. Huku nafia uwishe baba yako. Me unayosa kule kukazi kule. Joye nyewe ile makute peko na mulipi. Si joye nyewe kune misaidia. Kukulipia kumasomi. Pake ile makute ya kule kukazi. Si joye kuna kusaidia na kule ako bia kula. Sasa unataka kuwa baba yako. Juhu, ikusaidia weku nini. Juhu pande cheo. Me, sabile buloji ikusama lari yote. Pita tufanini, tukuombei. Pita mutoto tukuombei. Mutoto pita, pita wei. Mutoto pita, pita wei. Mchungaja nalia sema pani. Sabi lona katala kupita. Mimwe nyewe, mina fanini, mina kutaya. Papa, mama, simikosa nise munyumba.
Manaki uleko le miangaisha mnyumba yenu na uleko alabazi ya ikifu ya muzazi ni kabamba. Manaki boje banabamba bikono kukichwa kabamba, kabamba, kabamba. Hapana Filemo kabamba, ni kabamba mwingine. Sasa, kabamba, mina kutaya njina manaki pita. Tukuombeye. Buloji bufani ni bumalizike. Manaki kabamba sipita. Telimana hita kabamba sana, kabamba sipita. Joba, baba na mama waliliangalia sema, manaki musinyale. Jo mama na chofwa, na kurazi yote. Na mwonsi saa, mchungaji. Ule kabamba unaita. Mwaka kabebe tusha kubeba. Mchungaja nilibamba kukicho. Munilumie kwa sengini. Vizyo ikubambe bie. Tamuwebe nye. Eske njina ikububaya kabamba napanga mtoto. Aksant sana. Safirir, safirir. Yani ndivyo mambo yalivyo. Sasa upande wako unaona tuletea nini? Mie minyi kunatafuta kusema. Shumunone mambo ya mabushiku ibaneshu kukatali. Daniel mami na kumbuka hivi nanyi leje ya shana toka nende kelke paru kukuswari. Bile bintu bia maswari shebote tunabifuanyaka. Bia kwa nime. Sasa mina fiku mumariaji moye hivi mina nime. Inafika inesha van. Mina semi hivi inaisha van. Ilifoni fanyi nini. Nitoke nitafute kwa ta kelke paru pala minezu kwendo kufanyi nini. Kulala. Kulala. Mina toka minenda vile banafuanyaka nini banendaka. Mina fiku kunini koteri moye. Nifika pa nini. Pa reception mine kutuli banawe kaka pale receptionista nani poka le na sema bo mina fika hivi eh nani vumbule baba sana mina si ngimi eh sasa muna tafuta ni na sadi mimi kuna tafuta kutu mishi huko kwenda kama nezo kupata kutu chambre ne chambre ya wifi chambre na wifi chambre na wifi na wifi Shana jibamba kukinu li mutoto, ule kiana jikuipa recepcio pala, nilibamba kukinu li sebama mama, ba pasteri biku nafwanya mamambu. Pasteri mjime tunayue kule konimo, inanyi mukini mjime, eko nalombe shamri na wifi. Sia pani uya likuwa na kiu ya nkufu sani. Bon, safili ni demande, adilombe, akuni problem, ilifopa katufani tu exekite. Manangari kule kuhotelo kule. Abaku kwenye bafia pani. Njoba nasema bon. Safa tufanyi reshesha. Banendu mamakama londo. Bana chakula kumbidi. Banendu mwotu mnenye mwote lambu. Bana chakula kumbidi. Bana shuka kumuli mwotu mtingi tingi kumarche. Mwisi kukufashi. Bana chakula kubeli weko presentable. Bale watafanya ako nini. Onkusio ya baba pasteri. Njoba na receptionie bale boti. Bana kuwa kuyinabo. Toka bana kongolo kumulangu. Baba pasteri. Peza. Demand yako inakuipri. Asi, demand. Bon, ça va, kuna problem. Banazo kungisha moyo moyo. Un fi, deux fi, trois fi, quatre fi, cinq fi, six fi, sept fi, huit fi. Mina angaji nasemi ni comprehension hii. Mimi nasema, muna wazaka mubaya, mina lombe ni chambre jo na connection wifi. Shilombe mi, mi shilombe apane wifi. Ntafanyi nae nini mi wapasteri. Aksante sana, aksante sana. Safirire, sasefete. Kuna kwa radio televizio umoja wapendwa watazamaji. Na ambao muna tusikiliza kwenye njia ya radio. Hivi basi, munaweza presente ve kwa watu watu wili watatu. Vye wangu ni nenye vye wangu ni beko na mave mave yangu mina pachi mama yangu mzaji mama Odette Chikala ula nanyizale mixi veche pamba we wabakupa mina sabu mishi wezu kusabu tene mina lamu mina mina lamu filamia kulamuki franse kunani kumbasha mina lamuki baba yangu mzaji papa ya vakajinda Jo bali mina la mukia. Kwa mzazi mzazi. Nanyi mzazi. Sawa. Sawa sana. Na wewe bwana unaweza kulamkia watu wawili. Manaki maveri yetu kunyumba cha kupasuka sana. Sasa mina la mukia hapo tu. Mama yangu mzazi. Asante sana. Asante. Asante mama Ispe. Tuende upande wa pili transition ili tuweze kuaga ndugu zetu ambao wameingia katika kipindi hiki cha Sasefet ambao walikuja na safari. Sasa Le complexe scolaire Imani Monseigneur Solochi vous présente les vœux, les meilleurs, à tous les personnels de la Fondation Monseigneur Adolphe Solochi,
à l'occasion des festivités marquant la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. Celle-là bouleversée par la pandémie à coronavirus et dont l'issue n'était pas aisée. Qu'il soit réconforté et protégé par la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Dear teachers of Imani School, for your outperformance education to us, for your great concern for our school training, all the pupils of Imani School, Lordship Adolf Solochi, wish you Merry Christmas and Happy New Year 2021. May Almighty God protect your households and grant you long life. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Eh ben, ça se fait. Eh oui, ça se fait. Ça s'est fait. Yacherekewa. Yacherekewa. Ça s'est fait. Mulikuwa wengi mukitusikiliza na kutuangalia kunako radio televizio umoja. Kwa wote ambao umepoteza ndugu jamaa na marafiki, wapumzike kwa amani. Hivi basi, mwaka umemalizika. Wahenga wanasema, ça s'est fait. Ana yake ya sherekewa. Vous étiez nombreux à témoigner de votre fidélité au programme de la radio-télévision Umoja. Mille merci à vous, car vous avez cru en nous. Et oui, ça se fait. Joyeux Noël et bonne année 2021. Ça se fait. Vous nous avez fait confiance tout au long de cette année 2020. Voilà que l'année touche à sa fin. Une raison de plus pour vous dire que ça se fait. Joyeux Noël, bonne année 2021. Ça c'est fait. Wahenga wanasema ça c'est fait, mpendwa mtazamaji ambao unatuangalia kwenye jiji kuu la Lubumbashi. Najua mko wengi sana, milioni ya watu ambao mnatuangalia. Tukumbusha kwamba wale ambao wanatusikiliza kwenye njia ya radio ni kunako 93.5. Msisahau ya kwamba sasa fete kunako radio televizio umoja. Milioni ya watu, msikose kuangalia sasa fete, sababu kuna kwa mengi ambayo tunawaandalia. Na hivi basi, tutakuwa na mwalikwa ambaye mtakwenda kugundua katika kipindi hiki. Huenda itakuwa mara ya kwanza kupita kunako chumba cha radio televizio umoja. Lakini leo basi atajitambulisha Bwana Lebo ambaye yuko pamoja nasi katika rubrique yetu invité au mwalikwa, ambaye atatuambia mambo ya music, atatuambia burudani zake, yeye ni nani, ameanza namna gani. Kutakuwa mengi sana. Monsieur Lebo, vous allez vous présenter. Merci papa Akili, et je salue déjà le Lubumbashi. Ça se fait déjà ici en direct de Umoja TV. Merci. Lebo. Si vous pouvez vraiment vous présenter bien, vous êtes célibataire? Non, je suis déjà marié. D'ailleurs, un nouveau papa qui s'adapte déjà. Un nouveau papa? Oui. Accent Sana. La maman s'appelle comment? Maman s'appelle Dorcas Kabongo. Dorcas Kabongo. Oui. Et vous êtes qui? Vous êtes qui? On a kuya invité, oui. Bon, musicien. Lakini, tango katigan, depuis quand? C'est depuis le bas âge. Je suis un artiste, un adorateur. Ça fait beaucoup d'années que nous évoluons dans la musique, et c'est surtout ici chez nous à Lubumbashi. On a eu déjà évangélisé partout, même en dehors de Lubumbashi. Voilà, et on est là ce soir sur Umoja TV. On est là, combien d'albums déjà? Déjà, premier album qui se prépare déjà. On avait voulu déjà présenter l'album le 13 de ce mois ici au bâtiment du 30 juin. Je crois qu'on se bat encore pour représenter l'album. Alors, il y a toute une équipe qui nous a demandé de recommencer. Donc, on avait fait soirée d'adoration, mais on se bat pour vous présenter l'album Christ Kaka, bientôt là. Christ Kaka, bientôt là. Mais quelle est la musique? Burdani Moja, une musique qui vous a fait connaître sur la ville. Nani oui. Alikufamia sur la ville. Mm-hmm. Par quelle musique? Vraiment, il y a la chanson Dieu terrible, hein? La chanson, oui, oui, la chanson qui annonce déjà notre album, l'album Christ Kaka, qui va s'annoncer bientôt. Mais il y a les titres, les clips, Dieu terrible, hein, qui passent souvent ici dans nos chaînes locales. Pourquoi pas même chez Umoja, je crois, ça bénit déjà beaucoup de gens. On doit dire déjà merci à cette équipe de Umoja TV. Oui. On doit dire merci à cette équipe, une très grande équipe. Mais comment était l'année?
Non, l'année, ça a été un peu compliqué avec Monsieur Corona qui s'est annoncé. C'est un monsieur, hein? Oui. C'est pas une dame. Non, non. Okay. C'est un monsieur, vraiment, il s'est annoncé, vraiment. Il a essayé un peu de nous prendre ici, c'est 5 mois. Il ne se fatigue pas, il est en train de continuer. Il est revenu encore. Il cherche encore. Deuxième vague. Oui, oui. Nous disons stop hein, à cet esprit-là. Dieu est grand, nous allons fêter. Ouais. Et comme Amondja déjà, ça s'est fait. Ah, oui. Nous allons continuer à fêter parce que Dieu est grand. Effectivement. Qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je vous ai amené d'abord cette joie. Mm-hmm, le Seigneur nous a protégés d'abord. Mm-hmm. Hein, Dieu nous protège. Je veux même dire à celui qui est tombé sur cette émission, ce n'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Ça s'est fait. Hein, pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Il y a de l'espoir. Donc j'amène d'abord un message fort. Amen. Qui est d'abord aussi dans la chanson Dieu terrible, mm-hmm. qui dit le Seigneur est capable de tout faire dans ta vie. Mm-hmm. Sinon, si tu crois, si tu es encore en vie, si mm-hmm. tu es encore compté parmi ceux qui vivent, mm-hmm. il y a encore de l'espérance ce soir. Alors, c'est ça le message. Il y a de l'espérance encore ce soir avec oui. Monsieur Lebon. Lebon. Oui. Un acapelle. Je crois l'acapelle déjà, nous allons prendre le Dieu terrible. Ah, le Dieu terrible. Ouais, ce okay. côté l'ami, je crois que là, on va chanter avec tout le monde qui connaisse la chanson. Tu y as à la maison. Ah, ok. Voilà, on nous balance un peu. La musique. Oui, la musique, mmh. on nous accompagne. Un rythme pour vous accompagner. Oui, oui. Il y a mon ingénieur qui est là, que j'ai sali déjà. Mmh. Ça s'est fait déjà chez Oumodia. Ok. Tu peux déjà pousser les cris de joie là où tu es, parce que tu es vivant. Le Seigneur t'a gardé, toi et ta famille. Vraiment, c'est une joie. Alléluia. Soko telemi, ongai na telemi. Otamboli na tambolio. Yo telemi, ngana telemi. Otamboli na tambolio, ce que j'ai manqué dans mon cœur, Jésus peut le faire encore. Ce que j'ai manqué dans ma vie, Jésus peut le faire encore. Un fils de la promesse ne meurt jamais avant le temps. Et si quand va se kakio, et si quand zamba kotombola yo, et si quand va se kakio, et si quand zamba kotombola yo. Et si kaba benga yo feneya, zamba kotombola yo. Et si kaba mona yo pamba, et si kan zamba kotombola yo. Atombola kana moi, yende dilobasuka. Atombola kana moi, yende dilobasuka. Yesu, oh zambe na bomoi. Oh le Dieu, oh le Dieu terrible. Oh le Dieu, oh le Dieu terrible. Papa yonde zambe, nanya zalokola yo, Yesu. Papa yonde zambe, ah oui, nanya zalokola yo. Ça se fait, ça se fait. Ata corona yeye. Bato bakei mwa sika na zambe. Vraiment. Tika ngai na umela. Se ko pembeni na yo. Tika ngai na umela. Se ko pembeni na yo. Yo san zambe. Ana okatanga. Yonde na nye. Yonde zambe. Lubumbashi zamba pambola bino. Ah oui. On est en direct de Umoja TV. Ah oui, merci, ouais. Merci, merci beaucoup. Merci Kowa Tazama Diambao Munangali à Radio Télévision Mondiale. Vraiment, ouais. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. Mm. Et nous allons fêter. Comme oui. nous fêtons, nous allons continuer toujours à fêter. Mm. Alors, un dernier message. Oui, message fort. Il est Minoïsi Kouleta. Mm-hmm. C'est un message fort. Je voulais dire vraiment à tout celui qui est branché sur Mondia TV. Et continuer à être aussi fidèle à cette chaîne mm-hmm. Qui nous aide aussi, qui nous assiste surtout dans notre carrière. Mm-hmm. Et le message fort en est qu'on se prépare déjà pour la sortie officielle de l'album. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui nous réclament pour des concerts, pour vraiment nous voir en live. Mm-hmm. Alors, on est là. Il y a un moment, les gens nous écrivaient, « Papa, est-ce que vous êtes à Kinshasa ?» Parce qu'on a été à Kin pour un travail. Okay. Le travail était déjà fini. On est déjà ici chez nous. Et on se bat pour vous présenter l'album dans la grandeur. C'est surtout ça le message fort. Je tiens seulement à préciser ici en live pour dire aux enfants de Dieu qu'on est déjà ici. Si vous avez besoin de nous, vous avez besoin vraiment de nous inviter comme les autres nous écrivaient. Mm-hmm. On est là très disponible pour servir notre Dieu. Pourquoi pas ne pas encore consommer la chanson « Dieu terrible »
Et il y a d'autres chansons qui seront sur notre compte YouTube. Et voilà. À partir du 20. Donc le 20, ça sera un dimanche, je crois. Oui. Oui. Il y aura d'autres chansons. Oh, et qu'on a la chaîne de Nabiso YouTube. Adorateur Les Bons sur YouTube. Merci oui. beaucoup, monsieur Les Bons. Oui. Vraiment, il était notre plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Et nous sommes très contents. Tout merci. Comme Aïta Kwaya Mwisho. Oui. Aïta Kwaya Mwisho. Oui. Et nous savons bien que tout le monde va annoncer, va les beautés, va annoncer. Tout le monde a semé tout ko Mwisho wa Mwaka. Va musicien. Karibou Nisana. Numéro yé, tout ko palé, chini à écran. Ni beauté, ba annoncer, ba le ba ma boutique, ba ma restaurant, ba manini. Ni beauté tuna walika, karibu sana, karibu sana, karibu sana, ba musicien, karibu sana, na tuta wapokea. Monsieur Lebo, oui. Sijui kwamba oui. unaweza kuwa na neno la mwisho ambalo unaweza kuongeza na vwe kwa familia yako. Vraiment, je voulais remercier déjà cet homme fort, Papa Gaël. Vraiment, grand merci, que Dieu vous bénisse. Et je voulais aussi présenter mes vœux le meilleur à ma femme d'abord. Je présente vraiment mes vœux à tout celui qui est branché à ces instants ici sur Mondia TV. Que Dieu vous fasse vraiment du bien dans votre vie et qu'il vous bénisse. Et je voulais seulement finir pour dire aux gens, vaut mieux Jésus. Je ne sais pas si mon ingénieur peut faire quelque chose là rapidement. Donc, une chanson qui sera déjà dans l'album que les gens vont découvrir comme bonus. Hein. Vaut mieux Jésus donc. Merci. Vaut mieux Jésus, vaut mieux Jésus, vaut mieux Jésus, vaut mieux Jésus. À la maison tu peux chanter. Vaut mieux Jésus, vaut mieux Jésus, vaut mieux Jésus, vaut mieux Jésus, vaut mieux Jésus. Papa Gaël, vaut mieux Jésus, vaut mieux Jésus. Yakili, vaut mieux Jésus, vaut mieux Jésus, vaut mieux Jésus, vaut mieux Jésus. Maman a ngambota masumu, vaut mieux Jésus. Yeso yambanga na esengo, pesinga kombo mosatu, vaut mieux Jésus, vaut mieux Jésus, vaut mieux Jésus. Fiancé na yo atika yo, vaut mieux Jésus. Poyo za famille pauvre, vaut mieux Jésus. Atika bala mosusu, vaut mieux Jésus. Vaut mieux Jésus, tu peux danser. Allez, vaut mieux Jésus. Vaut mieux Jésus. Vaut mieux Jésus. Merci, vaut mieux Jésus. Je vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Asante sana kwa watazamaji ambao mnaangalia radio televizio umoja. C'est comme ça que ça se fait ici chez nous. Asante kwa sababu mtendelea kwa uaminifu na kuangalia vipindi vyetu. Tungali pamoja nanyi na tutaenda ku upande wa pili transition tupate mambo mengine. Ça se fait. Ça se fait. Eh ben, ça se fait. Eh oui, ça se fait. Ça c'est fait. Yasherekewa. Yasherekewa. Ça c'est fait. Mulikuwa wengi mkitusikiliza na kutuangalia kunako radio televizio umoja. Kwa wote ambao umepoteza ndugu jamaa na marafiki, wapumzike kwa amani. Hivi basi mwaka umemalizika. Wahenga wanasema ça c'est fait. Maana yake yasherekewa. Vous étiez nombreux à témoigner de votre fidélité au programme de la radio-télévision Umoja. Mille merci à vous, car vous avez cru en nous. Et oui, ça se fait. Joyeux Noël et bonne année 2021. Ça se fait. Vous nous avez fait confiance tout au long de cette année 2020. Voilà que l'année touche à sa fin. Une raison de plus pour vous dire que ça se fait. Joyeux Noël, bonne année 2021. Ça se fait. Le complexe scolaire Imani Monseigneur Solochi vous présente les vœux, les meilleurs, à tous les personnels de la Fondation Monseigneur Adolphe Solochi, à l'occasion des festivités marquant la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. Celle-là bouleversée par la pandémie à coronavirus et dont l'issue n'était pas aisée. Qu'il soit réconforté et protégé par la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Eh oui, ça se fait sur la radio télévision Umoja mpendwa msikilizaji kwa njia ya radio na mtazamaji ambaye unatuangalia. Naamini kwamba mko wengi sana milioni ya watu. Unajua tunavyomaliza mwaka tunakuwa na furaha sana. Tunakuwa na furaha sababu Mungu ametuchunga. Mungu amebaki mwaminifu kwetu na ninajua kwamba kwa wote ambao mmemaliza mwaka lazima kuwa na hii shukrani. Omweke l'on soit ingrat pour ne pas dire merci à notre Seigneur. A notre Dieu, ametuchunga, tumeanza mwaka na tumeumaliza mwaka unaenda sasa kwenye ukomo. Kama Mungu anakuchunga tu, sema asante.
Na kwa huyu mwenye hata sema aksanti, ile ngra, le souffle de vie ni kutoka kwa Mungu. Niko na waalikwa wanawake, utaniona hapa nimesha vimba, yani hapa naanza nenepa hapa. Hapa niko na vibonge vikina dada hapa upande wangu hapa na kuambia haliko nzuri sana. Haliko nzuri na kuambia naanza kubadilika hapa sasa. Afu hawa alikuwa wangu ambao niko nao hapa. Nitataka kujua kwa nini wako hapa. Pourquoi vous êtes là? Swahili ya? Unaitwa nani? Pandisha mikrofoni yako sawa. Naitwa Kevin. Ah, Kevin. Naona Kevin huyu ataongea Swahili bora. Kevin, uko marie? Nishina marie. Juu ya nini? Niko elef. Ah, uko elef. Sawa, jaribu kufungua mikrofoni atukusikie vizuri. Sawa, sema mara nyingine, unaitwa nani? Naitwa Kevin. Kevin. Ndio. Unasema uko marie? Niko elef. Uko elef. Sawa, me eleve fiancé? No. Ah, okay. Eleve tu, utanipa numero yako? Nimewa, apana. Sasa fete ame Kevin. Sasa Kevin, naona hali iko mzuri sana. Unapendeza pendeza hivi, ni juu ya nini? Hivi napendeza ni njia ya ya au tazama sasa, ole de dire que tunakulaka rougie, sasa tunakula rougie. Ata. Hivi mimi napendeza mwanya, mimi napendeza ni njia ya teatro. Ah, ni njia ya teatro. Ah, okay, unacheza kama teatre? Nacheza teatre. Okay, mu groupe gani? Groupe Cancer. Groupe Cancer. Sawa, tutarudia kwako. Haliko mzuri na kuambia sasa fete mpendo wa mtazamaji, haliko mzuri. Tutarudia kwako. Wewe jaribu kumeza upepo kwanza. Tutarudi kwako. Meza upepo, tunakuja upande wa pili. Unaweza kujipresent. Francais Swahili. Swahili. Mikrofoni yako inawaka, eh? Sawa. Jina lako ni nani? Mie bananita Naomi. Naomi. Mu théâtre mimi nikalaka Sandrine. Mu théâtre wala mu groupe? Donc mu groupe. Ah, sawa. Mu groupe uko Sandrine. Sandrine uko Marie, ninapendaka kuuliza mtu kama bana muoa juu na mie nitafute bia vile. Sasa Sandrine bana kuoa bie uko. Bana kuoa au bie uko célibataire? Niko fiancé. Ah, uko fiancé. Ah, roho inaniuma. Sawa, uko fiancé. Uko hapa juu ya nini? Bon, niko hapa juu ya ku premièrement nina représenter groupe yangu, troupe yetu ya théâtre, c'est pour cela niko. Ah, okay. Groupe yenu inaitwa namna gani? Groupe yetu jina ni Arc-en-ciel. Ah, Arc-en-ciel. Accent sana, Arc-en-ciel. Mule uko nani? Uko tu actrice au uko nani mu Arc-en-ciel? Oui, ni kwa actrice. Pas ka vile tu mais na bingine bingine mais ni kwa actrice. Ah, na bingine bingine. Na bingine bingine. Sawa. Okay, mule mu groupe Arc-en-ciel. Tunaweza taka kujua wewe ulianza theatre kwanza tangu miaka ngapi sasa? Bon. Kama mimi natafuta ku compter, j'ai un an déjà. Ah, okay. Ça fait déjà une année uko nacheza mu groupe Arc-en-ciel wala kufasa ulianzia ndio unajikuta mu Arc-en-ciel. Bon, kule mimi kuanzia mais mimi nakuwa kujitolea. Ah, unaharibisha kule unakuya sasa uharibishe tena na huko. Hapana. Ah, okay, huko unakia kutengeneza. Bon, tunakuwa kuendelesha. Unakia kuendelesha. Sawa, tujue kama kuko kingine unaweza ongeza juu mimi sina kesi nyingine. Nanayo. Ndiyo. Nanayo tu. Sasa utamlamkia ta. Sasa fait. Utamlamkia. Mpatie vu? Hapana. Sawa. Juu mimi na bantu wengine watashikia mbaya. Batashatu. Hata mimi nishasikia mbaya hapa. Sasa fait. Sasa fait. Accent sana. Tunarudia kwako. Sasa wewe uko mu Arc-en-ciel. Miaka ngapi sasa? Bon, mimi nafikisha 3 mwezi sasa. Ah, 3 mwezi. Kuko fasi ulianzia unajikuta mule wala unaanza njoo unaanza sasa theater. Kuko fasi nianzia njoo mimi nakwasa soko. Ah. Unaharibisha kule unakuya huko? Mimi sharabishe kule. Ah, okay. President wa groupe yenu ni? President wa groupe, groupe wa IR Cancer. President wa tin Legia. Ah, Legia. Huu bako wanasema mtu mfupi tena mrefu sana. Sawa, asante sana. Atujui message gani unaweza kuwa nayo? Bon, message mimi nakuwa nayo
ninju ile bantu bena kataza bena kabatu ba mama ba mamabo bena kataza batoto yabo kwa ma ma théâtre bena sema ma théâtre inafanisha ma théâtre na inafanisha mtu anakuwa mifano mibaya ba sema ma théâtre niko mama madawa ba sema ma théâtre muko mabinta kwa chana chana théâtre ina ville théâtre kusa ville ni conseil inapatia mtu. Sawa. Mwenzangu papa yake vika mishishiki yake kwetu. Mimi naanza fa théâtre bani pacha scène mishishiki yake kwetu. Sasa kama ule mtoto la nangaria ile scène la shishiki yake kwabo na sana nangari kwa save conseil bana mpachi. Kuku ingine bengine ni baloji mimi bana kupacha sana baloji sasa ni conseil tu. Aina sema itakufunisha bubaya ile bama ile bana pansa kwa batoto yabo aina njo vile. Okay, niko na kakesio kadogo ndakuuliza juu mimi nataka tunataka tuwa gani. Kakesio kadogo ndauliza ni najua seme mu magrupe ya mu cinema, mu theatre, mu comedy bile biote kuna kuoka role ile yenye mtu anapendaka kucheza. Bo, selo weye, role gani ile wewe unapendaka kucheza mu grupe? Mimi hivi napendaka. Yote tu kinipachie itapresenter. Mimi nitafanya ndio paske niko msanii. Eh, hey, wewe marole yote unaweza kucheza? Yote mimi nitaweza kucheza ndio paske mimi naitwa msanii. Ataba na kupiga? Niko pa. Uko tayari? Niko tayari. Kuwa victim? Ndio, kwa sababu nilipenda. Sawa? Accent? Mimi narudia ngambo ya pili kusudi niweze kuaga upande wa pili mama. Sasa wewe mu group yenu au sasa ulipenda kucheza kwa mwana sinema wala kucheza ma theatre? Role gani wewe unajisikia kuweza kucheza? Unapendaka kucheza sawa vile patrone, unapendaka kucheza sawa vile victime, unapendaka kucheza sawa vile namna gani? Bon, mimi napendaka kwa mama. Ah, kwa mama. Oui. Sawa. Parce que mimi napenda ba mama bo sana, njoo ma conseil yabo vraiment inenifara tout bien. Njoo mimi napenda kwa tu pra mama. Accent sana? Ulikatala ku présenter ma vie? Présenter vie kusudi toi gani? Mimi na présenter namna mka mamangu Emirance. Kule eko, na mlamkia na mlukwangu Noela na mkubangu Gaele. Ah, Gaele Mubenga? Ah, kisani sana, ni Gaele mwingine. Sasa mia unilamkia, niko karibu yako kweli, mimi nakulamkia. Unailamkia nje pasika shuwe nji nako. Asante sana wapendo watazamaji ambao mnatuangalia huko nyumbani. C'est comme ça que ça se fait ici chez nous à la radio télévision Umoja. Na tutaenda mu rubrique nyingine lakini transition upande wa pili, ça se fait comme ça. Ça se fête. Ça se fête. Eh ben, ça se fête. Eh oui, ça se fête. Ça se fête. Yasherekewa. Yasherekewa. Ça se fête. Mulikuwa wengi mukitusikiliza na kutuangalia kunako radio televizio Umoja. Kwa wote ambao umepoteza ndugu jamaa na marafiki, wapumzike kwa amani. Hivi basi, mwaka umemalizika. Wahenga wanasema, ça se fête. Ana yake ya sherekewa. Vous étiez nombreux à témoigner de votre fidélité au programme de la radio-télévision Umoja. Mille merci à vous, car vous avez cru en nous. Et oui, ça se fête. Joyeux Noël et bonne année 2021. Ça se fête. Asante sana wapendwa watazamaji wa radio-télévision Umoja ambao mnatuangalia huko manyumbani kwenu. Tunajua kwamba mulikuwa milioni ya watu wengi sana ambao mulio tuangalia huko manyumbani kwenu kwenye mikoa yote ya vitongoji. Asante kwa sababu umetuangalia wilaya na kona zote. Asante kwa sababu ça se fait comme ça la radio télévision Umoja. Asante kwa uaminifu wenu. Asante kwa viongozi. Asante kwa wote ambao walijishirikisha pamoja nasi ili kwamba tuweze kufika na kuingia manyumbani kwenu. Na kipindi ça se fête kimeanzishwa hii leo na kitaendelea kunako radio televizio Umoja hadi tukomeshe mwaka huu wa 2020 na tuanze mwaka wa 2021. Kwa wale ambao umetuangalia, asante kwa jamaa yangu la famille Akili, mama Debora Adolfine Akila Akili umetuangalia nyumbani, Akim Rebecca na wote na Ali umetuangalia kwa nyumbani. Kwa wote ambao umetusikiliza na kutuangalia, asante kwa mheshimiwa Alex ametuangalia huko nyumbani na jamaa yake yote. Asante kwa honorable David Kitwa ametuangalia vile vile. Asante kwa wote ambao umetuangalia vile vile, na kwa Keremi Musese ametuangalia, mheshimiwa Mumati ametuangalia,
na Ben Kayembe vile vile ametuangalia huko nyumbani. Nyote mlikuwa wengi, hatutaweza kuwataja majina sababu mkiolukugi ya watu wengi ambao umetuangalia. Hivi basi asante kwa teknik yake Pole Numbi ambayo imefanya kwamba tuwezi kuingia manyumbani kwenu. Asante kwa bwana Gael Mubenga kwa programa show yake na supervision yake bwana Dodo Kapende. Nitaweza kusema nini basi kwa Gael Mubenga aliyekuwa nyuma ya kamera, Gasie Mayanga tafadhali, ambaye aliyekuwa nyuma ya kamera ili tuweze kuingia nyumbani kwenu. Mheshimiwa Adolphe Solochi Sangwa fwa bana l'homme de la référence ambaye amehakikisha usaini wake. Kwa walikuwa wote ambao niliowapokea hapa, asante kwenu nyote kwa sababu mumeheshimu mwaliko wetu na ndio kwa maana mumeingia. Siko msaki sasa fet hapa kwetu kunako radio televizio umoja. Jina langu Akili Matibu Jean Paul, le pape de la presse Katanges. Ça se fait. Kwa heri. Mwaka ambao tumemaliza na mwaka ambao tutaanza 2021. Ça se fait. Ciao.